Ben, relâchement interdit, c'est un match à la maison. Les matchs à la maison, c'est très important pour nous et pour les supporters. Donc, il n'y a pas de relâchement possible, et que ça soit à domicile ou à l'extérieur, pour moi, je vais te dire. C'est une équipe un peu dans notre style, qui met beaucoup de combats, qui aime bien jouer chez l'adversaire aussi. Donc, il faut s'attendre à ça ce week-end, c'est que ça va être un match avec beaucoup de combats. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir mettre en haut de la liste, c'est du combat. Et après, se focaliser sur nous pour ce week-end contre Brive. Ces deux équipes, ils ressemblent, qui axent leur jeu sur la domination physique, l'intensité du match. Et donc forcément, ben, contre eux, c'est à chaque fois des gros bras de fer. Donc à nous de nous préparer pour ce week-end. Et puis Brive va gagner à Perpignan. C'est jamais évident de s'imposer à l'extérieur comme ils l'ont fait. Donc ça prouve la valeur de cette équipe-là. Elle doit gagner contre le champion de France aussi. Elle passe vraiment pas très loin, donc c'est une très belle équipe avec énormément de valeur dans cette équipe. Donc c'est. Ouais, on s'attend à quelque chose de très très sérieux. Ouais. Non, mais le public nous porte, évidemment. Le public nous porte et il nous portera encore ce week-end. Je suis persuadé qu'ils vont venir très nombreux nous supporter parce que c'est important pour les joueurs. C'est très important pour les joueurs. C'est pas galvaudé de dire que c'est le 16e. Franchement, ce stade-là, c'est un public extraordinaire qui transcende les joueurs, qui leur donne justement ce petit supplément d'âme qui, à un moment donné, peut faire basculer les matchs. Je pense qu'on le sent, hein, qu'ils sont vraiment à fond derrière nous, et ça permet aux joueurs d'avoir ce second souffle, voire ce troisième souffle quand tout le monde pense que c'est foutu. Il y a des matchs ici, on a été menés. Énormément, où on a su revenir. C'est vrai que le public nous a énormément poussé, donc ce stade a une ambiance particulière pour ça. Donc bien sûr qu'on le sent, bien sûr.